C'est depuis le XIIIe siècle que les concepteurs des garde-temps mécaniques démontrent leur formidable ingéniosité. De l'horloge monumentale à la montre bracelet automatique à complications, telle que le chronographe, la miniaturisation est spectaculaire. Elle permet à chacun de jouir au quotidien de ces mécaniques sophistiquées, appelées à fonctionner sans répit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il est intéressant d'observer que si les technologies sont devenues infiniment plus performantes, tous les instruments mécaniques de mesure du temps, antiques ou modernes, fonctionnent selon le même schéma. Tous possèdent des organes de régulation qui oscillent à des fréquences plus ou moins rapides. Comme dans tout système, l'énergie est ici un besoin indispensable et, dans ce domaine, les horlogers ont été les précurseurs du concept d'énergie renouvelable puisque ce sont la force musculaire et celle issue de la gravitation terrestre, pesanteur, qui sont emmagasinées puis restituées pour animer ces mécanismes astucieux. La montre mécanique tire son énergie de la force musculaire, celle qui actionne le remontoir. Ou, dans le cas de la montre mécanique automatique, celle qui permet d'accomplir les gestes du quotidien. Cette énergie se combine à la gravitation pour faire tourner la masse oscillante. L'accumulateur d'énergie est le ressort qui, enroulé dans le barillet, se contracte autour de son axe sous l'effet du remontage. Les mouvements alternatifs de la masse oscillante sont transformés en une rotation continue qui arme le ressort de barillet. Quand le ressort est complètement armé, pour éviter une surtension et la rupture qui pourrait s'ensuivre, son extrémité extérieure n'est pas fixée à la paroi du tambour de barillet, mais elle est munie d'un dispositif qui glisse en s'accrochant successivement dans l'une des trois encoches prévues à cet effet. Le ressort tend naturellement à revenir dans sa position initiale. Il communique ainsi au barillet un mouvement rotatif qui sera ensuite transmis aux différents trous par une succession d'engrenages. La dernière roue transmet son énergie à l'échappement, qui est l'organe de distribution de la montre mécanique. Son rôle est de distribuer l'énergie nécessaire aux oscillations du balancier. La roue d'échappement, entraînée par le rouage de transmission, est bloquée par l'ancre. Pendant ce temps, le balancier spirale accomplit son oscillation. Le balancier porte sur son axe un petit rubis appelé cheville de plateau. Lorsque le balancier atteint sa vitesse maximale, la cheville de plateau heurte l'ancre qui se déplace sous l'effet du choc. La roue d'échappement est libérée. L'une de ses dents tombe sur le plan d'impulsion de la palette et communique une impulsion d'énergie au balancier par l'intermédiaire de l'ancre. La roue d'échappement, en tournant, permet au rouage d'effectuer une courte rotation jusqu'à ce que l'ancre la stoppe. Cette rotation saccadée se produit au rythme de chaque alternance du balancier et est transmise aux aiguilles, entraînées par les roues. Les alternances du balancier sont ainsi totalisées par les aiguilles qui se déplacent devant les divisions du cadran. La précision de ce comptage est tributaire de celle des alternances du balancier spirale, le dispositif de régulation de la montre mécanique. Un dispositif appelé raquetterie permet d'ajuster la précision de la montre. Il est muni d'un ingénieux système d'excentrique et permet d'effectuer facilement une retouche très précise pour ajuster la marche de la montre selon les souhaits du porteur. Cette intervention peut être faite rapidement par l'horloger, en ouvrant simplement le fond du boîtier. La fréquence des alternances du balancier spiral est de 8 par seconde, ce qui signifie que chaque seconde est découpée avec précision en 8 parties égales. Le balancier pivote dans ses paliers anti-choc. La roue d'échappement, quant à elle, est munie de dispositifs appelés chatons combinés. Ces deux sortes de paliers permettent d'assurer une lubrification optimale en diminuant les frottements et en les protégeant des poussières. Le soin extrême consacré à la fabrication et à l'ajustement des composants de l'oscillateur permet au mouvement de passer avec succès les épreuves du contrôle officiel suisse des chronomètres et de porter ainsi le titre de chronomètre officiellement certifié. Le chronographe est un mécanisme complémentaire au mouvement d'une montre. Il permet la mesure des temps courts de moins de 1 seconde jusqu'à 12 heures, donc de chronométrer un événement sportif ou un temps de vol par exemple. Le mécanisme de chronographe présente généralement 3 fonctions principales. Le départ au début de la mesure, l'arrêt à la fin de la mesure et le retour à zéro après la lecture du temps mesuré. Les ingénieurs horlogers ont imaginé et mis au point plusieurs concepts de mécanismes de chronographe. Examinons en détail celui qui anime le calibre Breitling B01. La roue à colonne est la pièce maîtresse du mécanisme. Elle permet de commander les leviers qui vont assurer toutes les fonctions. La commande, l'embrayage, les compteurs, le retour à zéro. Observons le mécanisme de chronographe au repos. Le cœur de seconde chronographe est immobile, maintenu en position par une des extrémités du marteau. L'aiguille de chronographe, solidaire de l'axe du mobile de seconde chronographe sur lequel est chassé le cœur, est figée dans sa position initiale. De même que l'aiguille du compteur de minutes, portée par l'axe de la roue du même nom. Sa rotation est empêchée par l'autre extrémité du marteau. La roue de seconde chrono tourne, elle, en permanence, entraînée par le mobile intermédiaire de seconde chrono, lui-même entraîné par une roue du rouage de transmission, la roue de seconde. Le compteur d'heures est immobilisé par l'extrémité du marteau des heures. Examinons maintenant les fonctions du chronographe, vues de l'intérieur de la montre. Observons le début de la mesure, lorsque l'on démarre le chronographe par le poussoir Start-Stop et décomposons toutes les fonctions simultanées du mécanisme. Le poussoir Start-Stop actionne la commande qui entraîne la rotation de la roue à colonne. Celle-ci, en tournant, écarte le marteau des cœurs de la seconde chronographe et du compteur de minutes. Ce dernier entraîne dans son mouvement de recul le marteau des heures et l'éloigne du cœur du compteur d'heures. Avec un très léger décalage, ce même mouvement rotatif de la roue à colonne libère la commande qui entraîne la pince d'embrayage sous l'action de son ressort, libérant ainsi l'embrayage. Le patin d'embrayage, solidaire de l'axe du mobile sur lequel est chassée l'aiguille, vient donc prendre appui sous la roue de seconde chrono qui va l'entraîner par friction. L'instrument est en marche, la mesure a débuté. L'énergie nécessaire pour mouvoir le mécanisme de chronographe provient du ressort de barillet. Elle est en partie prélevée sur le rouage de transmission par le mobile intermédiaire de seconde chrono. la pince d'embrayage entraîne le bloqueur qui se trouve dans le passage du levier de remise à zéro, interdisant ainsi toute tentative intempestive de remise à zéro des compteurs pendant la mesure du temps court. Une pression sur le poussoir Start-Stop déclenche donc, en une fraction de seconde, 4 actions bien distinctes qui concourent toutes à la mise en marche du chronographe. La roue de chronographe tourne et l'aiguille qu'elle porte compte les secondes. Lorsqu'elle arrive à 60 secondes, la roue a accompli une révolution. À ce moment précis, son doigt s'engage dans la denture de la roue entraîneuse du compteur de minutes et pousse ses trous pendant son passage. Sa rotation est transmise à la roue de compteur de minutes qui avance d'une dent avant d'être verrouillée dans sa nouvelle position par son sautoir. Puisqu'elle porte sur son axe l'aiguille du compteur de minutes, celle-ci a avancé d'une division et comptabilisé la minute écoulée. Au même moment, la roue compteuse d'heures, entraînée par le rouage chrono, accomplit une rotation d'un demi-degré. Cet angle est imperceptiblement marqué par l'aiguille sur le cadran du compteur d'heures. Décomposons maintenant les actions simultanées de la fonction Stop. Le poussoir Start-Stop actionne la commande qui entraîne la rotation de la roue à colonne. En pivotant, la roue à colonne soulève la commande d'embrayage et la pince d'embrayage. Celle-ci abaisse le patin d'embrayage, ce qui stoppe la rotation de l'axe de la seconde chrono. Les aiguilles du chronographe sont immobilisées et la lecture de la mesure peut avoir lieu. La rotation de la pince d'embrayage dégage le bloqueur de la trajectoire du levier de remise à zéro. La roue à colonne libère les marteaux, qui restent retenus par le verrou du levier de remise à zéro. Il est possible à ce stade de reprendre la mesure interrompue en appuyant à nouveau sur le poussoir Start-Stop ou de remettre les compteurs à zéro pour effectuer une nouvelle mesure. Décomposons les actions simultanées de la fonction de remise à zéro. Sous l'effet du poussoir, le levier de remise à zéro fait pivoter le verrou. Dans son mouvement, il entraîne le marteau des heures, qui libère le marteau des minutes-secondes. Sous l'action du ressort de levier de remise à zéro, le marteau des heures s'abat sur le cœur des heures. Une fraction de seconde plus tard, le marteau à double fonction, sous l'effet de son ressort, frappe les cœurs des roues de chronographe et de compteur de minutes. La panne mobile du marteau des minutes et secondes est articulée pour garantir une remise à zéro exacte de ces deux compteurs grâce à son système d'autocentrage breveté par Breitling. Les composants du mécanisme du chronographe ont accompli un cycle complet et une nouvelle mesure peut être effectuée. Le mouvement B01 a été conçu pour faciliter le travail des horlogers. Il est ainsi possible d'accéder très facilement au barillet en enlevant la masse oscillante, le mécanisme de remontage automatique et le mécanisme de chronographe. Le mobile de calendrier est entraîné par la roue des heures et fait un tour en 24 heures. Elle entraîne dans sa rotation une came. Celle-ci soulève une bascule qui arme un ressort. À minuit très exactement, le galet de la bascule passe la pointe de la came et sous l'action de son ressort, fait pivoter instantanément la came pour venir s'immobiliser en bas de la descente. Le doigt de quantième est entraîné par la came et fait donc lui aussi une rotation instantanée. Dans son mouvement, il pousse le disque de quantième en avant. Le sautoir de quantième finit le saut du disque. le doigt de Quantième empêche le disque de faire un saut inopportun. La tige tirée en deuxième position permet d'effectuer une correction rapide de date en tout temps grâce à la rétraction du doigt. La tige tirée en troisième position immobilise le balancier sous l'action du ressort destiné à cet effet, ce qui permet d'effectuer une mise à l'heure précise sur la base d'un signal de référence. Dans la position de mise à l'heure, il est possible d'entraîner le calendrier dans les deux sens.